Allez, nouveau défi. La dernière fois, on a fait un diamant à 300 mètres. Là, aujourd'hui, on va essayer le diamant à 400 mètres. Let's go! Yo, mes bracos, content de vous retrouver aujourd'hui. Et comme je vous disais à l'instant, aujourd'hui, on va essayer le diamant une barre au-dessus. On va essayer de faire un beau diamant à plus de 400 mètres. Donc franchement, j'espère qu'on va réussir à en trouver un. Pour ça, j'ai pris la 338. Donc on sait jamais, vu que je pars sur Vuranga, j'ai pris la 338 pour tout ce qui va être Lyon, James Bock et le buffle du Cap. Donc on va voir si on arrive à en trouver là-dessus. Sinon, j'ai pris Lazarza pour tout ce qui est gnou, petit coudou. On va voir ce qu'on va réussir à trouver. Et puis bah en attendant, bouge pas, je te fais voir ça tout de suite. Let's go! J'en ai un beau là-bas. Alors, c'est un 34-39. Je sais pas si on peut avoir un diamant dessus. C'est risqué en plus. Là, on est vraiment à 400, un peu plus de 400 mètres. Donc, en plus, s'il est couché, ça va être un tir vraiment pas facile. On va essayer. J'ai pris la 338, la Zarza. On va essayer. J'ai pris des balles polymères. Vu que là, 400 mètres, ça va être tendu. Donc. Honnêtement, ça va pas être facile. Je sais pas, ça va être un tir osé, hein. Franchement, c'est vraiment un défi. Je me suis déjà fait 300 mètres l'autre jour et là 400 mètres. Bah, ça va être tendu. Avant de regarder, dis-moi dans les commentaires si je vais réussir le tir ou pas, ou si je vais me fail, et si ça va me donner un diamant ou pas. Ça va être tendu quand même, hein. Donc, je compte sur toi, mets-moi tout ça en commentaire. Allez, il va falloir se lancer à un moment donné, de toute façon. On va essayer, on verra ce que. Oh, comme par hasard, il tourne sa tête. Oh! Il a pris la balle. Il a disparu. Et je crois pas qu'il est. Il est pas pris correctement. Sa vie a pas baissé. Ah shit! Motherfucker! Allez, on va essayer de le retrouver quand même. Alors je pense que j'ai eu un bug, hein, parce que l'affiche apparaît tout le temps en haut à droite. Je sais pas comment ça se fait. Encore des bugs de The Hunter, tout ça. Alors, où est-ce qu'il est? Il a dû se faire la malle déjà par là-bas. Il doit être parti là-dedans. Alors je crois qu'ils étaient par là. J'avais mis un petit point de repère. L'autre, par contre, est-ce qu'on va trouver une trace de sang? C'est cool. Attends, je sais pas du tout où je l'ai touché, l'autre. Ah, c'est là. Saignement très faible. Donc. Ah, c'est là, aucun organe touché. Ah fuck! Il va falloir essayer de le retrouver. Bon, l'autre, j'ai pas réussi à le retrouver, c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver un animal, un diamant, quoi, à plus de 400 mètres. Là, j'ai que du petit. J'en ai d'autres là-bas. Ça va bouger. Allez-y, bougez, bougez. Voir s'il n'y en a pas du plus gros. Mais ouais, trouver un diamant. Plus de 400 mètres, je crois que ça va être une partie de plaisir. Ça va être quelque chose d'assez marrant. Là, j'ai du 3. J'ai vu qu'il y en avait un derrière, il a dû disparaître. Ah, quoique. Alors que je cherche tout ça, parce que là, franchement, c'est pas facile de trouver un animal vraiment super loin et surtout un diamant. Donc, peu importe l'animal, hein, de toute façon, j'ai choisi du moyen calibre et du gros calibre. Hein.
On va voir si on arrive à en trouver. Oh, j'en ai un là-bas. 34, 39, 265, 290 kilos. Celui-là, ça peut être mal. Je vais installer mon petit trépied. Je vais attendre qu'il soit à 300 mètres en espérant qu'on puisse toujours le voir. Mais ça peut être pratique. Enfin. Alors, ah oui, c'est celui-là. Par contre, là, il est qu'à 250 mètres. Voilà que je me mette beaucoup plus loin. Pour avancer un peu les choses, sinon ça risque d'être long d'attendre. Allez, on approche des 400 mètres, ça devrait pas être mal. Nice. Allez, j'installe mon trépied. Alors, voyons ça. Ah non, faut pas trop qu'il court. Oh ouais, nickel. Ah non, 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 non. T'en vas pas. Reste dans le secteur. Arrête-toi deux secondes. Ah, faut pas trop qu'il s'éloigne, sinon il va s'effacer, il va disparaître. Allez, mon point zéro, il est à 300 mètres. Franchement. Ouh, au-dessus. Oh oui. C'est moi qui l'ai prise. Ah, je suis pas sûr, la vie descend pas encore. Hein. Là, c'est peut-être un bug, on va aller voir. Je vais mettre un petit point. Où est-ce qu'on l'a touché? Là. Ah non, à mon avis, il a pas dû prendre grand-chose. On va aller voir. Je vais juste récupérer mon trépied. Ah, il est peut-être mort. Hein. J'ai la tâche là. Ah, on sait jamais. On va voir ça. Est-ce qu'on a touché un organe ou pas? Ah, oh, ça serait vraiment cool. Ça serait un truc de dingue. Franchement, si on en fait un là tout de suite, on essaiera peut-être d'en faire un autre. Sur un autre animal. Peut-être un peu plus gros. J'ai encore du loup qui court là. À mon avis, ça se fait chasser par du lion. En espérant que lui il me traque pas. Ah voilà, il est là. Alors, fais voir ce qu'il va me donner. Et où est-ce qu'on a tiré déjà? Ah, j'ai tiré un peu trop loin. 37,63. Ouh! On aurait été pas loin du diamant. Franchement, 37,69 le diamant. On aurait été pas mal. Ouais, j'aurais dû tirer un tout petit peu plus près. Plus devant, ça aurait été cool. Oh, mais quand même, hein! Purée. Du coup, ça pénètre bien quand même à 400 mètres. On était à combien? 413 mètres. Waouh. Franchement, je pense que si on arrive à en trouver un autre, c'est possible. Il faudrait qu'il soit un peu plus immobile, qu'il avance pas trop, quoi. Bon, on va réessayer ça. Et franchement, 413 mètres. Donc, je pense que c'est faisable de faire un diamant à 400 mètres. Ok, nice. Oh, j'en ai un, là. Et il va jusqu'à 39. C'est quoi devant? Celui-là, il peut être bien. Pas trop qu'il s'éloigne. On a quoi de l'autre côté? On a du James Bond. Pas du gros, mais du James Bond quand même. Et par là... Encore du James Bond. Oh, j'ai encore du gnou par là. Alors les autres, ils sont... Il où le mien? Après, ça va être difficile. Faudrait que... Ils sont là-bas. Ah, ça va être tendu. Sinon, faut que j'aille par là-bas. Je sais pas si je pourrais encore les voir. Faut pas trop qu'ils s'approchent vers moi aussi. Puis j'essaye de m'éloigner et puis qu'ils se rapprochent comme des cons. J'en avais d'autres là. 37. Je regarde vite fait en cas où. C'est jamais. J'avais même du lion là-bas. J'en ai un autre là-bas. Est-ce qu'il est le mien? Il est peut-être derrière là-bas. C'était pas celui-là. Ah, c'était peut-être celui-là qui avait. Ah, c'est chaud là, je peux pas là.
On verra plus rien. Je vais... C'était où? C'était juste à côté. Tiens, faudrait que je me mette là. Et que je les laisse s'éloigner un peu. Ils sont juste là. Il va falloir que je m'éloigne par là-bas. Est-ce que je vais pouvoir toujours les voir? Peut-être... Je sais pas si je les verrai. Je m'éloigne par là-bas. Mais que je puisse toujours voir le flanc de l'animal, parce que sinon, pour tirer, bah, ça va pas être possible. Ça risque d'être difficile. Un spot sérieux à 400 mètres avec un bel animal, c'est hyper chaud quoi. Alors, est-ce que si je mets mon trépied là, alors ils sont là-bas, faudrait que je réussisse à leur faire peur. Peut-être que en tirant pas loin d'eux, ils vont peut-être bouger. Je pense que c'est la seule astuce à faire. Le mien est là-bas. Je tire à côté. Ça va peut-être les faire bouger. Même pas. Il s'allonge. Bon, j'ai réussi à mettre un peu plus loin. Mais le problème, c'est que il bouge pas. Faudrait que j'essaye de tirer sur un animal à côté d'eux. Et voir si. Voilà. Lui a bougé. Sauf que maintenant. Oh, je l'ai même tué! Sauf que maintenant il est beaucoup trop loin. Il va pas tarder à disparaître à mon avis. Le problème c'est ça. Il faudrait qu'ils se mettent bien. Voilà. Ils vont disparaître maintenant. Donc, le mien c'est pas celui-là. L'autre a disparu. Non. Ah, j'ai bien l'impression. Ouh. Non, c'est pas celui-là. Le toit dans le secteur, il est là-bas. Dis-moi qui l'a pris. Il a disparu. Je suis pas sûr qu'il ait pris. Non, c'est con, bon, dès qu'ils disparaissent, on voit pas si on les touche ou pas. Parce que là, j'en ai eu un. Et l'autre. L'autre était là. Ça m'étonnerait. On va aller voir, mais je pense pas l'avoir non plus. 400 mètres, il va peut-être falloir changer de munition, peut-être. Hein. Ah, aucun organe touché, ouais, c'est mort. Bon, deuxième fois raté. Troisième fois raté, pardon. Le premier que j'ai pas réussi à retrouver, juste celui-là. Ça commence à faire beaucoup. C'est vraiment pas évident de faire un diamant quand même à cette distance-là. Hein. Purée. Ah, le mien est revenu, il est là. Il est là. Je sais pas si je pourrais. Oh, je peux pas me mettre plus loin, là. C'est pas possible. À moins que je me mette. Je sais pas où. Putain, c'est dommage. Il est où le mien? 7. Il est derrière. Non, c'est pas lui. Il est parti où? Il est là. On va voir, on va le suivre. Et au pire, on essaiera de lui remettre une deuxième cartouche à 400 mètres, on verra. Bien, ils sont là-bas. Comment je vais faire pour m'organiser? Il va falloir que j'aille par là-bas. Et que je réinstalle mon trépied. Si, si. Où est-ce qu'il est le mien? Le mien est là. L'approche des 400 mètres, je pense que ça devrait le faire. Allez. Voyons ça. Je vais peut-être... Ouh, il est juste là en plus. Immobile, allez. Oh, il l'a pris celui-là. Je suis pas sûr qu'il nous donne un diamant, par contre il était pas si énorme que ça. Mais on va aller voir. Il a fallu lui mettre quand même deux cartouches. La première est pas passée du tout. Alors que la deuxième... Bah écoutez, on va voir ça tout de suite.
Alors, voyons ça, où est-ce qu'il est? Il doit être là. Allez, 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 fais-moi voir ça. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'il nous aurait donné? Déjà, on va voir les deux tirs qu'on a fait. Non, déjà, il nous donnera pas de diamant, je pense pas. Il nous donne un bel or. Ok. Et... Oh, le premier tir, du coup. Ah ouais, un peu trop devant. Par contre, le deuxième, s'il vous plaît, hein, 414 mètres. Dans le cœur direct. Ça, c'est, si c'est pas du shoot, franchement. Waouh. Ouais, non, en fait, à 414 mètres, les balles polymères, elles sont super efficaces. Oh, c'est une dingue. Oh, c'est quoi ce shoot, sérieux? Putain. C'est une dinguerie. Putain, 35 vents, dommage qu'il soit pas plus gros quand même. Hein. Mais énorme. 414 mètres, 415 mètres même, hein, à quelques centimètres près. Et bah le tir de malade. Franchement, c'est un truc de ouf. Je vais même le prendre. Un petit screen. Nice. Bon, on va essayer de trouver quand même plus gros. Hein. Il va nous falloir un diamant. Là, j'en ai un beau là-bas. Regardez-moi celui-là. Alors, je vais me reculer un peu. On va essayer de se mettre à 400 mètres. Ah, ça va être difficile par ici. Ah, comment je vais faire Il va falloir que j'aille de l'autre côté. Est-ce que j'ai un spawn dans l'autre côté? Attendez, ils sont où? Ils sont là, ils sont à 255 mètres. Je passe par là, j'accède de l'autre côté. Nice. On les voit là-bas. Oh, par contre, le mien, il s'est pas couché, c'est nickel. Je vois pas trop la distance. Je vais monter encore un peu là-haut. J'ai peut-être l'arbre qui va me faire chier. Que. Oh là là, on est bien là. Allez, j'installe mon trépied. Allez. Alors, on est à combien de mètres là? On est à 398 mètres. Ah, faut que je recule encore un petit peu. Voilà. Là, on doit être bien. Alors, voyons ça. Où est-ce qu'ils sont? Oh non, je vois plus l'autre. Je suis un tout petit peu trop loin. Merde. Je le garde à vue comme ça et que je passe à côté de mon trépied. Voilà. Par contre, il est juste derrière. Et là, il est là. Ça va pas être facile à moi. Par contre, j'ai pas l'impression d'être à 400 mètres. On va essayer, on verra. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se le faire ce coup-là? Il a dû la prendre celle-ci. Ah, je vois pas sa vie descendre encore. Hein. C'est vraiment bizarre. Je vais respawn dans la tente. On verra bien. Allez, je ramasse ça. On file. Ah, s'il est mort. Ouh. Peut-être qu'on sait jamais. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le 400 mètres. J'ai vraiment peur. On va aller voir ça. Je vais juste mettre un petit truc pour me placer. Il va être mort dans le coin. Ouais, la distance, c'était limite quoi. Après, je le voyais plus, donc je pouvais pas aller plus loin. Donc, je suis pas sûr qu'on soit à 400 mètres. C'est bizarre ça quand même. Des fois, on les voit bien à 450 mètres environ. Et des fois, à peine à 300 mètres, ils disparaissent. Là, c'en a un autre, c'en a un autre, c'en a un autre. Ah, bah, il est là. Il est tombé là. On va aller voir ça.
J'aurais bien voulu voir la tache de sang quand même. On va aller voir la tache de sang avant. Je veux voir si on l'avait touché correctement ou pas. Ça c'est pas les saignements. Où est-ce qu'on l'avait touché? Oh, regarde Vital touché. Ah, on a peut-être un peu de chance. Hein. On a peut-être un peu de chance. Voir maintenant si on a atteint les 400 mètres ou pas. Ce serait vraiment bien. Parce que franchement, c'est vrai qu'on en cherche pas mal du gros. Mais le trouver à 400 mètres, bah, c'est hyper difficile. Hein, franchement, c'est pas évident. Bah, les taches de sang sont plutôt belles. Hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est la distance. Je pense qu'on est un tout petit peu en dessous des 400 mètres. On va voir ça. Oh, il y en a un qui s'est fait bouffer ici. Non, il y a un lion qui s'est régalé, quoi. Alors, voyons ça. Ah. Un petit coup de stress, quand même. Hein. Voyons ça. On était à 404. Il est là, donc c'est faisable. Un diamant à plus de 400 mètres, c'est faisable. Nice. Honnêtement, je crois que c'est mon premier diamant à 400 mètres. Hein. C'est juste une pure tuerie. Et on n'était pas si loin que ça du cœur. Hein. Un petit peu quand même, ouais, un petit peu. C'est pas le même tir que tout à l'heure. Mais franchement, en plus, c'est un or. Je les kiffe. Je les kiffe, ceux-là. Oh my god. Magnifique. J'adore. On va prendre un petit screen. Nice. Oh, j'adore. Franchement, avec la petite zarza, donc... ouais, heureusement, je pense heureusement qu'on a les balles polymères. Hein. Balles polymères, de toute façon, au-dessus de... Quoi, les têtes molles, au-dessus de 250-300 mètres, ça sert à rien. Autant prendre les polymères quand c'est vraiment de loin, quoi. Là, 400 mètres... Bon, mission accomplie. Je vais faire quand même un petit tour. On va voir si on peut trouver quelque chose d'autre. Un autre gibier, peut-être du buffle ou du James Buck, comme je disais tout à l'heure. On essaye avec la 338. On va voir ce que ça donne. En tout cas, bah, je kiffe. On empaille. Ok. Oh, j'ai presque plus de thunes en plus. Il va falloir qu'on passe un peu de gibier, parce que là, j'ai plus rien. Il me reste 4360 à force de farm le cerf et l'af. Sur Tewara, je bouffe toutes mes thunes. Je n'ai plus rien du tout. En tout cas, nice. Ah, je suis bien content de l'avoir fait, celui-ci. 404 mètres. Et bah, le diamant, il est là. Il est là. Il fait vraiment plaisir. Il fait du bien au moral, celui-ci. Finalement, on va s'arrêter là. J'ai pas réussi à trouver du diamant beaucoup plus gros pour pouvoir utiliser la 338. On la fera dans une prochaine vidéo. Et là déjà, je trouve que je m'en sors quand même plutôt pas mal. Un beau gnou or diamant à plus de 400 mètres, franchement, incroyable. C'est juste magnifique. Donc si ce petit contenu t'a plu, bah n'hésite pas, hein, abonne-toi, lâche un petit like. Et dis-moi en commentaire si t'as déjà fait un diamant à plus de 400 mètres. Et si oui, n'hésite pas, partage-moi ton petit screen sur mon Discord, ok? Allez, en attendant, bonne chasse à tous les bracos. Ciao.